peut blesser. Mes mots sans faux peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je ne cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles ne sont pas celles, mais celles que j'aime. Yeah. Parade, comme le dit le baromètre de musique, votre émission Tendance sur votre chaîne de télévision Tendance, la télévision nationale congolaise, aussi à toutes et à tous qui nous suivent de partout dans le monde, en tout cas toute cette grande équipe dans ce studio, on vous dit tous bienvenue. Alors ce dimanche, ce doux dimanche, l'heure, vous le savez, c'est l'heure de Clip Parade. Et nous avons sourire parce que quelqu'un qui vient nous voir ce jour dans Clip Parade, c'est Ladis Arcade. Ladis Arcade, un habitué de cette émission. Chaque fois qu'il revient de Paris, il ne s'arrête, il ne passe pas sans s'arrêter ici. En tout cas, Ladis Arcade, c'est notre invité ce dimanche. Mais encore, je vous dis bonjour. Bonjour, Bellemare. Ça a été le voyage de Paris. Paris, Pointe-Noire, Brazzaville, on va le dire. Et oui, après là, vous bien. Allez repartir. Ouais, très bien, très bien. Bien. C'est toujours un plaisir de faire du voyage dans ce sens-là, parce D'accord. qu'on sait qu'à l'autre bout de l'atterrissage, on a
On a des connaissances, des têtes, de la famille, des frères. C'est une ambiance particulière. Bon, ça change un petit peu de notre quotidien. On va commencer notre émission par une petite évocation, certainement, d'Elmas Péné. Ça vous dit? Ah ouais, ça me parle. J'ai fait une émission avec lui en 2013, je crois. Un mec très sympa, très très sympa. Vraiment, c'est un regret de perdre une tête de ce genre. Quoi. Ouais. Pas paniqué quand tu disais « bloquant l'image, ça l'a gagné ». C'est vrai que… Tu n'étais pas paniqué, là, non? Paniqué, un non. Un autre genre de télévision. Hein, je ne le connaissais pas, mais lui, c'était vraiment… Il faisait de la télévision à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que tu es sur le plateau, il te met à l'aise tout de suite. D'accord. Tout de suite, il te met à l'aise. Et puis voilà, autant les questions, autant la discussion que tu as avec lui, c'est vraiment… Ça coule, quoi. C'est cool. Donc, on revient sur toi, la 10. Tu dis que tu nous ramènes un deuxième album, l'OCND. L'OCND, combien de titres tu le fais sortir? Quand? Et c'était quand? Avec quelle maison de production? Non, le CND est sorti déjà. Le CND, c'est un album de 10 titres. Mm-hmm. 10 titres dans le CND. Le CND est sorti en 2016, fin 2016, début 2017. Voilà. Donc, voilà, il y a 10 titres, dont le featuring avec Nzungusul. Vous oubliez. C'est vrai. Moi que mais je oui, sais même plus. Seulement, oui. Mais d'abord, vous nous laissez ceci. Oui. Bidilou, comment s'est comporté Bidilou dans le marché du disque? Alors, Bidilou, c'était un peu contrasté parce que c'était mon premier album. Et je n'étais pas du tout connu sur, dans le monde musical, en fait. Musical. Et bon, il n'y a que les curieux qui se sont dit, bon, Bidilou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Moi, tiens, ils vont acheter l'album. D'accord. Et en fait, c'est à partir de ces personnes, les premières personnes qui ont acheté cet album-là, c'est eux, en fait, qui ont fait véhiculer tout le message qui a suivi après. Ouais. Parce que les gens ont hésité à acheter cet album-là, parce que bon, quand on ne connaît pas l'artiste, les curieux vont acheter. Ceux qui aiment découvrir, ils vont le faire. Ceux qui sont passionnés par les artistes bien précis, bon, ils vont passer, quoi. Et j'ai été quand même agréablement surpris parce que j'ai eu beaucoup de retours dans cet album Bidilou. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que je puisse avoir l'élan, la force encore de continuer de faire un autre album. Et maintenant, vous êtes dans la maison musicale, la maison culture, la maison vente du disque. Maintenant, comment vous vous sentez? Bah, forcément, je me sens bien. Sinon... Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, on va le dire. Non, je me sens bien, je me sens très bien. J'ai pris goût à écrire, j'ai pris goût à chanter. Et du coup, bon... Et voilà. plein de voyages, la disque. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et comme ces gens-là ne sont pas autour de moi, donc forcément, je suis obligé d'aller. Voilà, donc ils me font déplacer de partout. Ayaya bukulu kandwe ngako Akakamba yela mabashi ntunya ntungoni Matari malangu inda mwana zonzeka Matungi la machibelo Nge mwana kubejati yula banaku Wiri kila tala bingu la chimuntu ngebende Mputwa kuyoyo Samuna wanje Tile na tile Neno
manga kaba mana kwenda. Tila na tile. Mabele makunji mameni fuka ya. Tila na tile. Chubele chishika manilwe kanusende. Tila na tile. Mebuni kwenda mwanewe tila batile. Et quoi, c'est quoi c'est vos voyages du côté du Maghreb? Toujours des productions ou bien? Alors il y a de tout, il y a de tout. Bon, je fais de la musique, c'est vrai, mais j'ai aussi une fonction, j'ai aussi mon côté professionnel qui me fait voyager aussi. En fait, je lis les deux quoi. Enfin, les deux sont liés, c'est-à-dire que quand je fais des voyages de par mon métier, de par ma profession. Et ben à chaque fois, je garde toujours soit un jour ou deux quand je suis en déplacement pour me concentrer à la musique. Juste deux temps, vous êtes arrivé ici, on vous a vu avec Sambadjo, vous êtes reparti à Paris, vous êtes revenu, on vous voit avec Balou Kanta et là vous êtes à Brazza, vous allez repartir certainement d'ici deux ou trois semaines, on vous reverrait ici à Brazza. Qu'est-ce qui se trame? Bah, au travail, c'est tout. Non, ce qui se trame, c'est que... Enfin bon, oui, j'aime bien... je n'aime pas la monotonie, en fait. D'accord. J'aime aller chercher les choses, aller chercher les sons, aller chercher l'écriture ailleurs. Donc, avec Sambadjo, parce que on a discuté, on est dans l'idée de développer un projet. Là, dans le prochain album, j'ai chanté avec Fofana Mouladi. D'accord. Et avec Balou Kanta, effectivement, il y a un projet. Voilà, tout ça, c'est des projets. Quoi. C'est des projets qui sont en vue, que j'espère qu'ils naîtront, parce que c'est vrai que c'est des artistes de talent que j'apprécie beaucoup. D'accord. Et dites-nous, c'est quoi cette aventure aux États-Unis, Texas? Voilà, l'aventure au Texas, c'était... en fait, j'étais parti. Déjà, au Texas, j'y vais souvent parce que j'ai la famille là-bas. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a découvert... qui a découvert mon album, qui faisait une manifestation, et donc il avait demandé à ce que j'y aille. D'accord. Parce que j'ai fait l'émission avec Télé Caraïbes, oui, un vieux monsieur très connu dans la presse culturelle, oui, aux États-Unis, oui, je me rappelle. Oui, donc c'est lui qui m'avait invité, et je suis allé là-bas, donc j'ai fait un show là-bas, et en faisant le show, donc j'ai profité pour faire un clip en même temps. Okay. Comme c'est le Texas, alors je me suis dit, tiens, comment je vais m'habiller? Oh, j'ai toujours adoré les cowboys. J'ai un téléspectateur, un Congolais au Texas. En tout cas, c'est pas ça le titre de la chanson. Non. C'est pas ça le titre de la chanson. Non. Mais je vais leur laisser suivre. Hein. D'accord. Et après, on va revenir chers téléspectateurs. De même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. Ce sentiment dont tout le monde parle, mais que personne ne comprend. Non, je ne peux pas faire de deux. Je n'arrive pas. Kwela na tomba, chokwa mambo Elisa. Ndumba inazolo, kumbuliza beta. Utubele sheri sheri mbwa tunasumba, ndi umankapele. Yaya keru kuntaka, ndati kana yengeza njeri muyengeza. Diri bachibiche kabile ngeleko lolo mabuite Nzonzo loka ishiri ya uko iza sobele Mbukuche kaenda ya nishiri kumpeleza Inime kwa wo mama njele tala Memukela na kela pieka mwa bilungu kanimbe mbo Bina mabinze sele Tana mabanza masobele Sabutindi mutela diambu Bika muniko nangaji wana kuya Wana bakala bebeli Kunze kifani chamundele wakavuva Prema jata matama tama 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 Isabeta Prema ngana lingi yoko Bika mufleta kasa muti mame Bika musepa zolambi na mambiame Pana mwalu bambuliza kujandi ndefi ya kondo shikuwe Kalata shinga salu sowe Isata fami sabata ntwe Ameso manga nganza mbina kulu ikalu nga wasema Tete tafumula masumwe Mboko tasuki sabata ntwe isa ana
Naba mamba choto to manka pele Lisa. Kware angwata kulendi muna mata sako liza talaka weiko. Zali mucemu, mongolombe mucemu. Nga chinji bele nzombe zake lamba ku Elisabetha. Kabele na kore lamba shizanitu kazanti makoya. Umuzoti zungu zungu jikana tal. Anguza kamu abula wiki mpenshi tumaka. Chigishia Panamele Lisa, Bikamu kanza kasa mtimame. Bikamu sepozo la binama mjame. Panamu alubambuliza kujandi ndefi ya kondo shikuwe. Kalata shina salu solwe Tete tafungu la masume Mbokota suki sabata tuweye Buetelema. C'était le clip Lisa tourné au Texas, ouais, par la Dis Arcade. Ouais. L'album, c'est Lucende. Exactement. Lucende qui compte 10 titres. 10 titres. Et une très grande collaboration avec Christian Basoka. Racontez-nous l'histoire. Oui, avec Syriac, c'est vrai que quand j'ai fait l'album Bidilou, bon, j'ai essayé de. Je l'ai fait presque tout seul, du début jusqu'à la fin. Bon, après, j'ai forcément rencontré des difficultés au niveau de la promotion, au niveau de la distribution. Et j'ai rencontré Syriac Basoka pour le deuxième album de Sende. Donc on a discuté. J'ai dit ce que je voulais, comment je pensais faire les choses. On était tombés d'accord, c'était dans ses cordes. Donc finalement, voilà, on a créé une collaboration et depuis, eh ben, on travaille ensemble. Marche. Ça marche. Ça marche très fort même, voilà, d'ailleurs. Voilà, ça marche, okay, très très bien. Très, très... Bidilou, Lucende, après on peut avoir comme ça en exclusivité le nom du troisième album. Alors, le nom, je ne suis pas encore certain que ce sera celui-là, parce que je n'ai pas encore défini exactement. Certainement, c'est Belle et Marc qui parade. Éventuellement, si tu as quelque chose à me proposer, moi, je suis preneur. Vu la composition de l'album, en fait, j'essaie de faire des choses de façon croissante. Parce que là, j'ai fait Bidilou. Bon, Bidilou, je me suis dit, pourquoi le nom Bidilou? Parce qu'en fait, quand on parle de Bidilou, on a tendance à penser tristesse, pleurs. Alors que non, dans cet album, ce n'est pas ça. Il y a tristesse, c'est vrai, mais il y a aussi le côté pleurs de joie. Oui. Quoi. Donc, les c'est cris, les deux. Quoi, les cris, voilà, il y a tout ça. Et après, quand j'ai fait le CND, c'était un petit peu dans le sens de. On est dans un monde où il faut savoir marcher. Parce que si on ne sait pas marcher. Toujours dans le titre même des Alutambi. Exactement, ouais, c'est ça. Des savoir Alutambi, mettre le pied. Voilà. Savoir mettre le pied, autrement on se fait piquer. Mais moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé au Makwala, quoi. Le CND. Exactement. Et puis là, le troisième album, je me suis dit, bon, je vais mettre peut-être un petit peu de folie. Dans le troisième, ça. Ah, j'ai pensé. J'ai un titre là-dedans qui s'appelle Tima Sakatale. Ah ouais. Ouais. Et je dis, bah, tiens, ce serait peut-être bien le titre. On va tous attendre ce troisième album. Et Braza, pour combien de jours? Pour repartir quand? Je repars, je reste 2 jours à Braza. D'accord. Je repars à Pointe-Noire. Ok. Et j'ai encore 3-4 jours et puis je repars et pour la France. Voilà. Et finalement, ce que vous amène à Braza et à Pointe-Noire, ça a été? À Braza, c'est venir voir Belémar. Belémar, d'accord. C'est une bonne raison déjà. Toute cette grande famille de clips arrête, exactement, bien sûr, hein, de Télé-Congo. Exactement. Ok. Non, mais bon, on essaye de... Je suis venu me ressourcer, en fait, d'accord, on va dire. Voilà, pour être bref. Donc, quoi. Sans problème. Donc, espérons cette fois-ci. Nous étions à 9 titres, 10 titres et prochainement, certainement 15 titres. Hein. Non, 6. Ah, 6 titres. Ouais. Hein. 6 titres. D'accord. Prochain album, attend, c'est 6 titres. On attend. Oui. Alors, j'ai fait 6 titres exprès parce qu'en fait, quand j'ai fait l'album Le Seigneur des 10 titres, il y a des gens qui écoutent cet album-là et qui m'ont reproché certaines choses. Moi, j'aime bien être à l'écoute de ce que je fais, que les commentaires qui viennent, je les prends en compte. Il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu mettras dans le prochain album que tu feras? Parce que l'album Le Seigneur des Noms, on a l'impression que tu as tout dit. Tu as tout dit. On ne sait même pas quelle est la chanson qu'on va choisir. Quoi, ce sont tellement... Et effectivement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, est-ce que
c'est quand on met trop de chansons dans l'album, est-ce que finalement c'est bien? Enfin, ça, c'est la question que moi je me suis posée. Parce que est-ce que ne pas faire, mettre des chansons, c'est pas que je les travaille pas bien, si, mais les travaille comme il faut, et donner quelque chose de bref aux gens, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent, au lieu de leur balancer plusieurs titres. J'ai fait cette analyse-là et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc. Si voilà, je vais prendre 6 titres avec des thèmes comme. Pas des termes qui se touchent, mais très, comment, très différents. Je vais faire 6 titres. D'accord. Et je verrai ce que ça donnera. D'accord. On attend. C'est pas que j'étais en manque de chanson, non, mais je vais faire 6 titres. On va aller pour une autre aventure. Et c'est vrai, je n'ai pas demandé si vous avez belle voix aujourd'hui. Ouais. Vous nous faites un titre Bidilou, un titre Lucindé et un titre à venir. Ça pourrait aller? Oui, oui, il suffit que on je me rappelle du titre. Déjà, je vous présente Bidilou. Oui. C'est parce que vous avez... Babongele tanawa, bazakala le mundeko. Babongele kurika, basekele mundeko. Bongi bajokele yo. Timvuka bati nini cho, mama. D'accord, ok, ça me va. Et Lucindé, un morceau. On s'est rencontrés sur une banlieue. On s'est rencontrés sur une banquette de discothèque. Plongé dans sa bouteille, c'était la fille du boss. Nous nous sommes parlé d'un air presque mutin. Merci. J'ai coupé parce que je sais que je te sens très attentif. Mais oui, enfin, je peux même rentrer dans toi. Ah bon? Et, ce que tu nous réserves pour un troisième album, c'est quoi déjà? Si on peut avoir un petit... Timani yangalale, Timani ubelokele, tamakatu kamusekela yakurika, lolo bakiri mfulu yanyekese. Bandiku ni banjula kaga, nchabi mangu na shiri, punje kamia mia nche timbwetete zandolo. Ah bon. Et chaque fois que vous venez ici, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau de Clipper Adresse-vous. Et quand vous êtes à Paris, saluez tout ce monde qui vous aide dans la production et tous ces amis-là. Et déjà, je veux dire, la caméra est là, mon cher. Bah, tous ceux qui me suivent, c'est de dire que il y a un grand événement que je prépare effectivement pour la sortie du prochain album. D'accord. C'est un concert le 14 juillet à Suresnes, à l'Esplanade de Suresnes. Donc, j'invite tous les Parisiens, les Franciliens, les provinciaux de venir à ces concerts-là. Parce que tu sais, j'en ai fait pas mal de concerts. J'aime bien faire des concerts privés parce que j'adore le contact avec le public, avec tout ça, voilà, plus de complicité. Et ça, c'est un concert qui se passera en plein air, qui est un concert gratuit. Et donc, toutes celles et ceux qui veulent profiter de ce moment en tout début d'été, de se faire plaisir, hein, toutes celles et ceux qui me suivent, ou qui voudront bien me suivre aussi, qui me connaissent ou qui voudront me connaître, c'est l'occasion. 14 juillet, samedi, à l'Esplanade de Suresnes, un grand concert, c'est gratuit. Et il y a des places, on peut aussi réserver des places en VIP pour d'accord, ceux qui veulent, parce que c'est vrai. Il y aura d'accord, tellement du monde qu'il y a la possibilité de réserver des places. L'adresse va passer au bas de l'écran. Voilà, donc là c'est la guinguette de suresnes.com sur le site. Vous pouvez aller et ils trouveront toutes les informations d'accord, dessus.
go, baby, power of no. Golo is the power of force. Longo is the power of law. Now we gonna dance, voila, in Ngonza style. Now we gonna dance, voila, in Ngonza style. Don't worry, don't worry, don't worry, people. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'appellent, qui me donnent des idées, qui voilà, c'est tout ce monde-là, quoi, tout ce monde musical. Voilà, je vous dis merci, merci, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que j'essaie de prendre l'énergie, que j'essaie d'avoir toute cette force-là, de faire ces tournées et de toujours propager, distribuer, propager et puis comment je dis, communiquer avec les gens et voilà, m'exprimer lumière. Quoi, avec des sons mélodiques. Donc merci à tous et on se donnera rendez-vous toujours. Nous étions très heureux de t'avoir sur ce plateau. Et sur ce plateau, j'ai dit aux chers téléspectateurs, nous étions avec l'Addis Arcade. L'Addis Arcade, sur le marché du disque, deux albums, Bidjilou plus Lucende. Mais attendez-vous à un troisième album. Et aussi, rendez-vous le 14 juillet. Ça se passe à Paris, en France. À Suresnes. En région parisienne. OK. Et souvent, c'est Cyriac Basoka qui fait la promotion. Et ne manquez pas, sous le bas de votre écran, toute l'adresse qui passe là, mais aussi l'artiste. On vous dit infiniment merci. Merci, Belema. Et merci à toute l'équipe. Merci, chers téléspectateurs. Et à dimanche prochain. De même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. Ce sentiment dont tout le monde parle, mais que personne ne comprend. Non, je ne peux pas faire de Dieu. Je n'arrive pas. Je ne cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord. Je pose sous ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas celles, mais celles que j'aime. Yeah.